Grosse désillusion pour Cécile, dans l'amour et dans le pré 2021 M6. Après avoir compris que Franck n'était pas prêt à avoir une relation à distance pendant un moment, l'employé dans un laboratoire d'analyse sensorielle de 43 ans a pris la décision de partir. Un moment fort en émotion. Aujourd'hui, elle découvre toutes les images de son aventure. Et elle n'a pas caché que c'était très difficile à regarder. Depuis le début de la diffusion de l'amour et dans le pré, Cécile partage les coulisses de son aventure avec ses abonnés. Après avoir notamment critiqué sa rivale Annelise, la prétendante a répondu à des questions qui intriguaient beaucoup les internautes le 21 octobre. Ce n'est pas trop dur de te revoir à la télé? Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu te vois? Ainsi, elle a expliqué que, comme tout le monde, elle avait remarqué quelques petites choses en se voyant à la télévision. Mais elle est fière car elle est restée naturelle. Lorsque je vois les images, les émotions reviennent. Si est-il très intense ce type d'aventure. Revoir le speed dating était magique. Dans les bois j'étais à l'aise, même si j'ai bien vu que je n'aille pas garder le sourire quand les compliments fusaient sur le physique d'Annelise, comme si je n'étais pas là. Je croyais pourtant l'avoir, a-t-elle expliqué. Elle fait référence à leur sortie en forêt durant laquelle elle a expliqué à Franck qu'elle souhaitait développer sa ferme familiale avec son fils. Un projet qui l'empêchait de tout quitter pour s'installer avec lui, contrairement à Annelise. Cécile a ensuite expliqué que revoir l'épisode du 18 octobre, durant lequel elle quittait l'aventure en larmes, a été difficile. Ses larmes ont donc coulé à nouveau. Ce n'est pas dur de me voir. Ce qui est plus dur si est de découvrir ce qui est dit en off, a-t-elle conclu.